Nous, pour une mari ça déjà, lorsqu'on l'époux, à plusieurs moments de la durée, si médecin, pour une raison ou l'autre, pense que c'est habillé l'époux, il n'y a pas de diagnostic pour le fait, c'est pas habillé à traiter la maladie. Et nous pensons que aujourd'hui, en Haïti, c'est comme un lépreux. Pays l'oc février, c'est une manifestation de lepsa. Malheureusement, au cours de cette manifestation qui était très aiguë, monde qui au chevet du malade là, l'ensemble de spécialistes, l'hôpital a donné à une thérapie facile, qui nous toute solution qu'on a pour là où il a ouvert pour activité reprendre. Au cours de la même année, symptômes ont remanifesté encore de manière plus aiguë. Que nous sommes là en septembre, trois semaines fermées, avec vraiment cette fois-ci, nous n'avons pas sorti du tout. Ou bien comme impression, l'ensemble de monde qui est au chevet de malade, ça que nous comparons, que nous sommes à Haïti, ils ont encore quoi que son lot plus gros drapeau pour prendre pour bander plaies, pour bander toutes et puis qui gagnent, ils n'ont pas voulu faire diagnostic là. Moi-même, Pascal Adrien, nous avons pris courage dans un certain moment, nous avons fait un premier diagnostic. Le mal est plus profond qu'un président, qu'un parlement, qu'un sénateur, qu'un député. Et quand c'est lui acteur qu'on parle qui manigance ces sacs-là, nous avons assumé responsabilité. Aujourd'hui, nous devons faire accompli manifestation aiguë, ça presque dit nous malade là, pas vivre, mais en pile, nous croyons que si nous remettons de grâce au malade là, la bande de jours encore. Moi et moi, Pascal, nous croyons que ce n'est pas deux jours nous besoin malade là-bas encore, nous besoin guérir. Et c'est notre dynamique guérison, ça. Qui fait que depuis pratiquement 5 jours, nous sortions une proposition en tant que citoyens haïtiens engagés, qui c'est la dernière transition parce qu'on peut partir de cette mauvaise expérience, où t'es 3 semaines, l'école bloquée, tout le bagage bloqué, pour nous faire le saut vers ça, nous révéler le changement que nous tout le souhaité. Pascal Adrien, la même question. C'est pratiquement la même réponse, sinon que ma pote en précision. Alain, l'important, li nous mettre sous balance là, le président et l'ensemble des citoyens haïtiens, pour nous prendre courage nous à demain pour nous dire que l'avenir, collectivité, li pèse pilou, li doué pèse pilou. Nous pas qu'à faire 5 ans côté que équation, c'est est-ce que le président a rivé fait mandat ou pas? Parce que mandat lui-même, li lié à un contenu. Moun yo gen des résultats que y a tan nan vi yo, moun yo besoin manger, moun yo besoin ka l'école, tout moun besoin qu'on est là au malade yo gon côté yo ka prend soin pour yo pas mourir en quelque sorte. Donc moment par un moment pour que nous rete accroché à qui issue que président à titre personnel l'a joine dans crise là, mais c'est est-ce que comme société n'a prend courage nous à deux mains pour nous poser les vrais problèmes en clair. Remet président ou pas, c'est pas ça qui est important. Mais la crise de légitimité aiguë que le président a gagné là, autant des voix secteurs, yo. Combien de secteurs qui dit jusqu'à présent, yo pensé que gon bagay que yo capable faire avec le président de la République là. Pourquoi well. La grande majorité nationale yo dit yo pas fait confiance à président et crise de légitimité aidant, li vin pratiquement impossible. Pour que même ça, où les dialogues là, où il va matérialiser. Parce que dialogue là supposait quoi? Il supposait que l'homme vienne parler avec Georges. Un, moi en mesure pour me présumer de bonne foi Georges, nous avons bien commun qui c'est radio, télé, et nous pas le joindre justement le juste milieu pour bien gérer en temps de crise. Mais lorsqu'on ne fait pas confiance à l'un des acteurs, qui c'est le président, dans le moment que nous voulons. Que ne pas vril, même dans l'éventualité que le président a fait 5 ans, il n'y a pas qu'à faire élection. Donc, crise de succession qui pourra le gagner à l'issue des 5 ans du président, l'a mené nous, bab pour bab, dans ça qu'on a les transitions. C'est ça que moi, Joachim nous dit. Pas gagner un groupe de monde qui aurait les oppositions qui font rêve, qui dit qu'il faut que c'est dans la transition, on va aller. C'est la situation actuelle. L'équation politique actuelle, Jean que le balancea, l'a mené nous inévitablement vers une transition. À ce moment, il faut faire un choix. Est-ce qu'on n'a pas le fait pays attendre 2 ans et demi, 3 ans, pour une crise continue avec Jovenel Moïse au pouvoir
juste parce que nous voulons que le fait 5 ans, ou bien est-ce que nous avons tiré les conclusions qui s'imposent dès aujourd'hui pour nous dire, comme ouais pas ouais, si notre transition nous pour aller, parce que cette crise de confiance va empêcher au président d'organiser les élections et de donner des résultats au peuple haïtien, il faut anticiper. Mm-hmm. Anticiper, non pas pour nous prendre revanche sur un groupe de monde qui est sous pouvoir, nous parlons, mais yo, faut que c'est nous qui là, etc., pour refaire la même chose. Mais anticiper pour dire, historiquement, nous te connais des transitions déjà. Ça qui fait nous échouer, ça qui fait nous passer à côté. Mm-hmm. Et maintenant, autour d'un projet fédérateur, autour d'un nouveau projet de société, autour d'une entente nationale, côté que tout le monde a fixé à pays des objectifs mesurables, quantifiables, objectivement vérifiables, eh bien, sous base, nous allons entrer dans la dernière transition, ça, qui a gagné pour objectif, pour mettre les bases, les jalons, qui permettent que sous 25 ans, nous fixer des objectifs. Et à raison de 5 ans, nous faire élection, etc., etc., société haïtienne permet une fois pour toutes pour le divorcer avec l'instabilité politique, pour le divorcer avec l'exclusion socio-économique, pour nous dire que nous avons un cerveau, nous avons l'idée, nous avons pile petit pays qui est bien formé, qui n'a aucun visite. Diplôme yo a pourri en bas matla yo. Gena yo ki États-Unis, gena yo ki en France, gena yo ki tout partout dans le monde là. Eh bien, c'est le moment de faire appel à tout moun sa yo ki se haïtien pour entendre nous une fois pour toutes. Non pas sur un moun, est-ce que c'est Georges nous remet comme président, est-ce que c'est Pascal, est-ce que c'est Georges Chemi, mais autour d'un projet. Et au chevet de ce projet, gagnent successivement des moun de bonne foi qui rivaient, qui occupaient justement les instances du pouvoir pour donner des résultats. Mais je dis à la, ça qui fait défaut, c'est l'essentiel, Georges-Michel Jean-Baptiste. C'est le projet. Jean Bral en transition, ça là, parce que bon, tout porte à croire que c'est l'âme bralée. Et c'est pas mon avis personnel en tant que journaliste, mais le projet n'existe pas encore. Est-ce que nous pas risquer répéter même transition passée ou? Certainement. Bon, parce que, sans le dire, nous après entrer dans la proposition que Mme Pascal fait, hein? Ou après dans la proposition que Mme Pascal là, non pas, parce que le combat qui fait débat en pile, c'est qui peut ou qui va remplacer le président quand le président démissionne ou bien une situation qui fait le président quitter le pouvoir. C'est pas ça qui préoccupe, qui co-préoccupe moi-même avec Pascal là. Mais aussi nécessaire. Aussi nécessaire, mais c'est pas le co-préoccupe. Pour qui ça? C'est pour me répondre à la question là. Si avant moi gain on feuille de route m'a réfléchi à Georges mais l'aime prendre Georges qui a fait ça le vle. Mais si avant me dit c'est Georges Pascal ou n'importe qui est moi gain feuille de route là le ça indépendamment de Georges ou de Pascal me connaît que nous on bagarre nous entendre nous sous lui. C'est pour ça on faut analyser à monde qui a regardé nous qui a tendé nous. Jodi en Georges moi et Pascal nous défons certaines expériences dans l'état mon problème depuis nous t'es là qui relé approvisionnement pays en carburant. Nous, les bagages, ça se rive en côté, c'était presque une crise du jamais vu. Mon enlis, mon aboumé pour gaz. Il y a encore là. Ce problème existe encore. On suppose, dans la minute que m'a parlé, à ce président remettre démission. Peuple haïtien, pas tant ni 3 mois, ni 4 mois, à moun qui va remplacer président pour que vous dites, mon cher, ben nous 4 mois, peuple haïtien, on est bien difficile, ben nous 4 mois. Pour nous avoir une solution à la question gaz là. Faut que pendant nous nous dynamiques, mon app dit mes propositions, pas mes propositions, mais l'essentiel, qu'est-ce qui sera sur la table immédiatement comme urgence, quel que soit mon nom, mettez président. On sait de problèmes sociaux, on sait de problèmes économiques, ils n'ont pas disparaître avec la démission de Jovenel Moïse. C'est pour ça, moi et Pascal, nous pas aller dans la cour de cassation, parlement, juge, etc., nous étions dans le général. Et après, le premier élément nous souligner qui est fondamental dans la proposition, nous, la gestion des urgences. C'est pour vous dire que, en quelque sorte, son façon pour nous bailler de grands points dans un projet qui va le faire transition de façon à ce que, quel que soit groupe de monde, et nous dit la proposition, quel que soit consensus qui joue sous personnalité qui va exercer pouvoir dans la transition, ça n'a pas besoin d'inquiéter les peuples haïtiens trop parce que les grandes questions de changement et de développement, ils ont dans le contenu, mission Mounsao qui va le prendre pouvoir. Monsieur Nap, rété dans proposition, hein, mais Nap font une extrapolation tout petit. Bon, c'est encore le même sujet.
Je dis à là, il est un fait que les acteurs que moun ouais comme premier acteur yo, c'est Himmler Rébu, c'est André Michel, c'est Moïse Jean-Charles, André Victor, etc., etc. Monsieur Sayo, yo regroupé autour d'une alternative consensuelle pour la refondation d'Haïti, et je dis à yo formé en commission et nous tendez des secteurs assez importants qu'a dit que yo exclu, par exemple les femmes, par exemple le secteur des droits humains et par-dessus tout les pétro-challengers qui étaient à un certain moment bas lutte contre la corruption hein, et ont poussade parce que le censé fin mourir. Je dis à la moun yo pas retrouvé yo en dans une commission que tu as supposé faire passation de pouvoir. Est-ce que ne pas partie du mauvais pied déjà? Bon, moi je pense que symboliquement, il y a un message qui est beaucoup plus fort qui était mérité, vous voyez. Par rapport au fait que le bataille est important pour garder les différents secteurs, les différentes forces en présence et faire en sorte que vous sentiez, vous représentez, vous partiez pour eux dans la démarche, dans la dynamique. Là. Mais pour l'autre bataille qui est important, que nous dit à la génération, pas nous. Il est extrêmement important pour que nous engagions nous en grand monde. Voilà, justement, génération pas nous, hein, ah oui. Pas représentés, il n'y a pas de jeunes. L'important c'est encore pour nous les anciens acteurs. On parle sur le combat par rapport aux anciens acteurs. À un certain moment, dans la bataille pour mener à 86 avec l'inauguration, transition démocratique, là, ensemble de monde qui est arrivé à imposer dans la vingtaine. Gon ensemble moun ki te rive impose yo nan trentaine à peine. Donc jodi a moyen major je fais par exemple, nous pas en train de crier pour nous dire a pas gon bagay k'ap fait, oublier nous, yo pas penser à nous. Non, nous nous engageons parce que ou pas ka empêcher aucun citoyen estimer que ça vaut la peine pour que yo former quoi que ce soit en termes de commission, passation de pouvoir et autres. Si yo pas gagne sagacité pour yo connaître que il y a des millions de jeunes qui n'a pas de challenge depuis un an, qui t'a mérité au même tout, y'a gagné des figures qui représentent, etc., etc. À ce moment, la meilleure réaction, c'est pas plein. La meilleure réaction, c'est l'engagement. Parce que historiquement, il prouvait, acteur, dans le cadre d'émergence, il n'y a pas de bagage facile et pas de cadeau non plus. Donc, il est important pour que cette grande majorité en termes de catégorie sociale, qu'est la jeunesse, eh bien, yo capable mettre de côté certaines considérations qui liées à est-ce que m'aimer Georges, est-ce que Georges paraît même, est-ce que gain amitié, est-ce que gain clan, pour que nous gon projet que nous attendons sur lui, parce que les 30 prochaines années c'est surtout nous-mêmes qui a prêté sur scène. Autrement dit, symboliquement, je pense que gain mieux qui était capable faire en termes de figure représentative de société dans son ensemble. Mais nous quand même saluer des marches de monde qui a bataille, qui estime que c'est comme ça pour y monter li. Et l'issue est certaine, après au fin tendez ensemble de griefs, ensemble de critiques ça yo, li pas trop tard pour que yo rectifie le tir. Et Georges Mi, non proposition que ou même à Pascal Adrien Feya, côté que nous souhaitons pour transition ça qui doit arriver à en pile mon espéré, en pile secteur espéré, il faut que c'est dernière transition. Nous avons un bagage qui attire l'attention. Nous, ouais, président de la République, là, comme on pâtit dans le problème. Là. Mais est-ce que les parents partent ou dans la solution à chercher à? Très bien. Et d'abord, pour que ça nous dit dernière transition, nous n'avons la pape nous mentir que pour un pays changer ou bien pour un pays emboîter le pas du changement, un minimum de continuité dans les projets qui supposaient faire. Je dis, on prend la question de job. Comme on comprend nous, nos pays, on est égal dans l'élection, on dit voter. En pile, on mal dans l'élection, on dit voter. Yo est élu, 5 ans passés, 10 ans passés, pas de monde qui a dit, l'homme te prend pouvoir. Il y a 10 personnes qui travaillent. Je dis, je peux mettre les efforts, fait, mais nous connaissons pas difficile. Il y a 12 personnes qui travaillent. Il y a 2 en plus qui travaillent.
Quand vous prenez un citoyen d'un pays, il a besoin de rade, il a besoin de logement, il a besoin d'éducation, il a besoin de santé, il a besoin de manger. Tout le bagage, ça va être par l'État. Non, les citoyens disent pour moi, les citoyens disent l'État, bon travail pour me répondre à besoin. Ça ça veut dire, nous sommes capables justement de choisir comme un indicateur qui est la création de job dans le pays pour nous juger l'ensemble des gouvernements qui ont succédé dans le pouvoir. Mais pour me répondre directement à la question. Dernière transition, je veux dire, il faut nous battre nos objectifs, Jean-Pascal dit la SMART. Qui objectif m'a bâillé, qui fait, même si je connais, c'est Georges Allen qui est le président de gauche. Pascal Adrien qui est le président, qui sent, moi-même qui est le président, qui centre gauche ou bien de droite, il y a un série de grands indicateurs nationaux qui n'ont pas changé. Je dis, chaque premier vendredi du mois, que le Barack Obama pendant ses 8 ans de présidence, que le Donald Trump, département du travail aux États-Unis, dit, mais combien de jobs qui créent pendant un mois, mais combien de monde qui perd du job, et puis tout gouvernement, c'est sous ses challenges. Je ne suis pas dit, mon cher. Et Alain tape travail sur Obama parce que Trump besoin de créer deux travail en plus pour qu'il soit capable de prendre parce que c'est quantifiable. Président Jovenel Moïse, c'est effectivement une partie dans la solution pour nous capable de discuter sous question sérieuse. Ça. Parce que il n'y a pas fait sens pour chaque jour discuter de bagaille, faut que j'étais président, faut nous faire élection et puis rien d'autre. Faut nous parler de sujets beaucoup plus sérieux. Mais pour nous discuter des sujets beaucoup plus sérieux, président doit comprendre que nous sommes encore incontournables. Président supposé battre. Pour ce n'est pas sous présidence. Li. Et puis l'historien dit, t'es une guerre civile en Haïti, oui, il y a 600 000 personnes qui mourent, et puis qui est le président Jovenel Moïse. C'est ce rôle que le président doit jouer. C'est pourquoi, moi-même à Pascal, nous dit dernière transition, parce que dans la transition, ça faut nous faire un genre pour qu'un président ne monte pas la tâtonner dans la tête de l'État. Faut nous faire un genre pour qu'un président ne monte pas, il agit selon son bon instinct. Il faut qu'il y ait deux projets, deux bagailles clairement définis que même si on a rentré, il était de droite, il était de gauche, mais on n'a pas dit mon cher, il y a un problème à l'éducation, il y a un problème à la question de transport, la question d'assurance santé. Bagaille, ça, il faut codifier dans un document que moi, Pascal Nourilé, le plan national économique et social, sous lit, société a bien pour l'entendre pendant un certain temps. 25 ans. Et sous lit, on a capable d'évaluer on est qui prend pouvoir à n'importe quel niveau. Ou à l'autre. Mais tout doit commencer par la démission du président. Pourquoi? Ou ensemble de problèmes fondamentaux, on a parlé de job. Ça suit bien. Je vais commencer à parler de job. Parce que, à partir de ça, les jobs là, différents l'autre politique publique, il y a quoi articuler. Il y a un monde qui va dire, mon cher, pourquoi ça n'est pas des jobs alors que nous avons une éducation extrêmement importante? Mais ou pas capable, notre dynamique de créer job, nous ensemble de secteurs porteurs. Ou pas former moun en lien justement à secteur sa yo. Ça veut dire, à partir de job là, ou capable transversalement manier tout secteur yo. Ou pas capable parler de job si ou pas prévoir justement une politique publique de santé. Parce que l'on dit main d'œuvre, faut que c'est des main d'œuvre non seulement qualifiées, mais en bonne santé. Donc à partir de ça, les job là, son plaque tournante justement. Capable englober différents l'autre secteur qui méritait des politiques publiques qui définissent pour eux. Mais question ça, yo, Alain. Nous pas jamais prioriser ouvrir lorsque débat c'est nous pas faire président confiance. Est-ce que quand même faut le faire 5 ans? Nous risquons de faire 5 ans faire seulement débat ça. D'ailleurs ou dit 6-7 juillet t'es un problème. C'est ça on dit là. Nous sommes en 2018. Ou dit récemment là en février encore t'es des problèmes. Voilà que près de 8 mois après, c'est comme si nous encore à la case départ. Mais est-ce que nous attendons que en 2020, nous avons une manifestation épisodique de problèmes là encore? Est-ce que nous attendons en 2021, nous encore à marquer pas sous place? Nous dites nous, il y a lieu que nous pas marquer pas sous place. Mais comme président, pas de monde qui fait la confiance. Même s'il va arriver faire un mois encore, deux mois encore, trois mois encore, pour le pays, c'est pratiquement zéro en termes de résultats. Parce que nous avons tellement focus sur est-ce que l'arrière a bien levé aujourd'hui, est-ce que pas de caoutchouc, est-ce que pas de monde qui mourit pas balle, est-ce que il y a gaz lacrymogène, la police nationale qui finit ou pas. Donc, il y a tout un ensemble de questions que nous pouvons gérer. Nous sommes capables de dire de manière très conjoncturelle, qui n'a pas rien à voir avec bas moun manger, bas moun job développer pays. Voilà pourquoi il faut que le président démissionne. Mais attention,
pas démissionné pour que nous courions entre notre transition à la défense 2004, qui mm-hmm. finit par une séparation de privilèges, de prébendes. Il y a des gens qui estiment que vous avez un rôle vraiment proéminent dans la JT présidente là, une franchise. Il mm-hmm. y a des gens qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui à ces équipes qui sont au pouvoir. Faut que vous gonflez les ministères. Il y a de nouveaux riches qui peuvent émerger. Et la grande majorité risque de tomber dans la même consternation encore, à savoir, à pas m'a manger, à pas m'a l'école. Bien à bien pas bien aller. Non, mais voilà pourquoi nous autres nous anticipons. Nous dit même leur bon certaine volonté pour tuer tout espace de rêve dans le pays. Même là, toutes conditions presque réunies pour ne pas réfléchir dans le pays. Ça vaut la peine. Moi, Joachim, nous faisons choix pour nous rester dans le pays. Ce n'est pas obligé, nous obligé de rester. Nous faisons choix. Et nous disons, politique là, faut qu'en Haïti, li renoué avec vraie vocation. La politique là, c'est pour moun lié. C'est pour bien être moun que lié. Donc, nous ne parlons pas de dynamique de est-ce que nous parlons pas de pouvoir ou pas. Mais nous parlons de dynamique pouvoir pour faire qui ça. Pouvoir pour servir qui est. Majorité jeune Vodia là, qui parle de la République dominicaine, pour quelle raison vous parlez, Georges? Pour un grand bagaille, oui. Travail. Le monde accepter traverser l'Amazonie pour arriver au Brésil, pour le fond au Brésil, pour le quitter Brésil, pour aller dans la frontière Mexique là, pour entrer aux États-Unis. C'est là pour chercher. Travail là pour chercher, oui. Le jeune n'a dit, il n'a pas besoin qu'on ait la prendre. Même s'il mourit, la prendre. Ce n'est pas pour la balle blague, pour la jouer domino. Non, il travaille, oui. Ça veut dire qui ça? Pour nous d'accord que nous avons maîtrise dans nous, nous avons doctorat, nous avons licence, nous avons l'argent, nous avons voyagé, qui voit comment le pays fonctionne. Et pour nous d'accord que en 2019, la grande majorité nationale n'a pas qu'à projeter tête dans le pays, justement, parce que les mois arrivés, pas qu'on goûte capote dans la poche là. Faut que nous fixions nos objectifs ça pour de bon. Voilà pourquoi moi, je suis une double dynamique. Nous faisons constat de l'incapacité du président Jovenel Moïse pour le diriger. Pas qu'un monde qui est capable de baisser tête menti par rapport à ça. Le pays est ingouverné. C'est clair. Nous faisons constat tout que pas de personne qui fait parole au président en confiance. Donc, il y a un monde qui n'a pas fait confiance, je ne pas à aucun moment pour sentir confortable pour signer un quelconque accord ensemble avec lui. Si tel est le cas, 2019 là, tout le monde, la majorité du monde, a toujours la dynamique de demander au président aller. Même si, par la magie de certains supports internationaux, l'État va faire un petit temps en plus, le pays a toujours la crise, combien haïtiens qui ont levé et qui dit moi fier parce que le pays est en crise? Personne n'a pas dit ça. Donc, si le président, par son comportement, il vient révéler un élément dans la crise-là, et par manque de confiance qu'il inspire à tout le monde, il vient pas en mesure pour le bénéfice du doute pour le faire élection, ça qui passe, janvier, ou pas gagner député, ou pas gagner au moins un tiers dans le Sénat qui parle là, on l'autre crise institutionnelle. Qui est-ce qui est d'accord que président ça, impopulaire, que dirigé pour contre lui, dirigé pour contre lui. C'est décret qu'en veux-tu, en voilà. Qui est-ce qui parle d'accord ça? Donc, la bagaille parle plus grave toujours. À ce moment, comme on le dit, diriger, c'est prévoir. Nous-mêmes, nous sommes nous, comme hommes d'État. Ça n'est pas lié à est-ce que nous avons primature, est-ce que nous avons parlement. Ce n'est pas ça qui est important. Il faut qu'il y ait des gens qui disent, société, que on dans l'État ou pas, il a réfléchi sur devenir historique. Et c'est mission, moi, monsieur, ça. Nous disons, nous, il faut anticiper. Ce n'est pas parce que nous sommes un président ou bien pas un président. Nous sommes pays. Nous avons avenir en majorité qui a souffert là. Il faut que qu'on démission. Et les démissions, ça finit. Ce n'est pas pour les gens qui parlent pas de pouvoir euphorique. Vous avez ordonné là, non? Bon, ordonner, c'est souhaitable. C'est souhaitable. Pour l'avenir de ce pays, c'est souhaitable. Et bien content que y ait des frères dans l'opposition qui a ajouté ordonné à tout. Mais les démissions finies, ce n'est pas pour nous euphoriques. Vous comprenez pour quelle raison? Où est le président Jovenel fin démissionné? Parce qu'il n'a pas de capacité. Faut que nous sourions seulement pendant une seconde. Vous comprenez pour raison? Moi-même, quand je parle là, automatiquement que le président Jovenel démissionne, il faut que je ne dorme pas.
Parce que chauffeur taxi moto qui dans la rue à la cap dit faut aller. Le monsieur finalé, il pas attendre 2 jours, 3 jours. Faut que gaz là disponible pour yo. Mais pour gaz là disponible pour yo, faut que moi-même, faut que vous-même, faut que je fasse tout le monde, nous guettons gagner des stratégies qui planifient. C'est là nous aujourd'hui, ah oui. Plaidoyer par nous, c'est en fonction de ça nous les urgences jusqu'à dimension structurelle question qui c'est un plan de développement sous 25 ans. Faut que une équipe qui déjà là, qui connaît l'État déjà, qui connaît tout goulot d'étranglement, tout entrave, et qui dit nous allons anticiper scientifiquement, techniquement. Ou le biais de la majorité. Monsieur, nous allons marquer la pause à l'émission, mais juste avant, il y a une analogie qui a passé dans la tête. Moi, je vais quitter de réfléchir sur lui. Moi, je garde des propositions noires, propositions pour que c'est en dernière transition dans la donne. Mon grand absent, c'est l'international. Est-ce que son déficit, est-ce que c'est voulu? Parce que là, je vais dans l'analogie. L'on prend un monde qui a un cancer, par exemple. Il met toute volonté le gagner pour le cas continuer à vivre, pour le cas continuer à poser des actions, agir, faire des bagailles. Il reste en fait que c'est un cancéreux qui a une volonté. Mm-hmm. Même s'il a la foi que l'a guéri, mm-hmm. il reste en fait que son cancéreux qui a la foi. Je dis à la, Haïti pas qu'à penser pour contre lui. Mm-hmm. Il nous faut toujours nous référer à la communauté internationale, alors que la communauté internationale, qui sont poids, selon certains mondes, et c'est le fait d'ailleurs, moi, nous n'y parlons dans la proposition ça là. On y reviendra. On y reviendra parce que. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Pascal Adrien, Georges Mi, Jean-Baptiste. La pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est la communauté internationale est exclue dans la proposition. Nous pas citer tout au moins. Faut nous dire que la proposition de Pascal Adrien, nous devons rester dans les grands points. Okay. Mais après chaque point, ça pour les gens qui gardent la proposition, nous essayons de décliner. Le dernier point, Paul, de un plan de développement économique et social sur 25 ans. Dans un plan économique et social sur 25 ans, je vais prendre 2 exemples. Il y a un exemple capable de dire que c'est tout. Sous 25 ans, mais qui modèle transforme d'arrêter le pays dans le monde. Là, dynamique projet, bon bah que blanc utilisé qui c'est smart, spécificité, mesurabilité, folle temporelle et puis folle objectif. Bon volet important que nous avons besoin, qui est l'argent. Je vous dis, le fait que nous passions sérieux à tête nous, le fait que l'élite politique, économique, intellectuelle, pas jamais entendu nous soyons de vrai pour nous même battre tête un engagement vieux respecté, l'international vient nous comme une sorte de problème en plus parce que nous pas qu'arriver devant là avec des idées claires définies avec des objectifs dans le temps pour nous dire ça, nous engagement déjà pour nous faire et maintenant nous besoin par exemple prêt pour nous financer tel projet. Dans le plan sous 25 ans, même parce qu'elle a parlé, nous n'avons pas eu d'un plan à la haïtienne, non? Nous n'avons pas eu d'un plan, ça aurait été comme c'est Domingue l'a fait. Avec, et je dis, comme nous ne pouvons pas vivre en vase clos dans le monde, là, l'international, contrairement à ça, tout le monde pense que c'est étonné, il y a plus content parce que nous, pour que vous financez le développement sous 25 ans, ça, sous forme de prêt, parce que en tant que citoyen qui commence à prendre conscience qu'il entend, nous n'avons pas solvable, parce que pas oublier. Je dis que l'indicateur n'est pas jamais suspendu de retourner sur une émission. Si nous disons que les premiers 5 années, nous avons besoin de créer 500 000 jobs dans 5 secteurs particuliers, il faut nous créer business dans ce secteur. Il faut l'État faire du partenariat public-privé pour nous créer emploi. Donc, maintenant, son complexe. Son complexe. Complexe, l'empile Mounoué international, là, comme on handicap. Non, c'est un complexe parce que il y a deux pays qui sont dans la situation. Nous sommes arrivés devant l'international, on dit international, pour une fois, nous sommes conscients que nous sommes là. Et nous prenons conscience de leader, nous ben maintenant nous venons par la voie pour nous dire 1, 2, 3, dans un cadre de respect mutuel, mais côté nous voulons aller maintenant, mais qui vient nous solliciter accompagnement. Mais bon, garantie, Georges, la société haïtienne, dans son ensemble, rivé Antonio, dans une transition sous prochaine 25 années pays, mais qui ça nous le fait 1, 2, 3, 4, 5, mais bon, garantie, vous étonné que l'international a extrêmement intéressé à accompagner nous, et le ça.
c'est non seulement une fierté pour nous comme Haïtiens, mais c'est une fierté aussi pour les différents partenaires. Parce que je vous dis, quand vous avez un diplomate en Haïti, qui chita à la calique, fait 15 jours pas qu'à sortir. Parce que parallèlement, pays loc là, blanc ou pas qu'à voler dans l'hélicoptère, non? Ou bien représentant pays amis nous, mm-hmm. Ils obligent la caillou tout. Ça veut dire quelque part, si nous arrivons à nous résoudre le problème dans la société, ce sera pour l'international vraiment une solution à un problème que vous avez pratiquement 30 ans, ou pas qu'à résoudre. Je pense qu'on a rien. Pour acheter rapidement. Mm-hmm. Et le maître mot, c'est leadership. Leadership. Yeah. Objectif clair, que nous entendons sur lui. Leadership pour que nous voyons les signaux appropriés. Prends un exemple simple. Ou faire procès Petro-Caribéen. Des gros potentats dans l'État qui te volé l'argent. Des firmes dans le privé qui n'ont pas acquitté de responsabilité. La justice trace son exemple. Même pas pour mentir. Au lendemain de début procès, de résultats commencent à bailler. En termes d'indices, corruption, e-court, tout un ensemble d'autres questions encore, ou après que Haïti commence à gagner une meilleure place. Et en termes de perception, bon l'autre message que ça a voué à l'échelle internationale. Projet à nous entendre sur lui. Il y a des exemples qui ont tracé par rapport à bataille contre corruption, bataille contre impunité et autres. C'est tout un package qui vient nous permettre que lorsque Haïti pour le faire plaidoyer pour que les joignent beaucoup plus l'argent, tout le monde connaît que l'argent, ça, pas un l'argent qui pour enrichir des gens qui sont dans l'État, pas un l'argent pour enrichir seulement des gens qui sont dans le privé, qui croient uniquement dans import, export, économie de rente, sans que pas gagner vraiment comme valeur qu'a créé dans l'économie. Hein. Mais tout n'a dit justement, il y va de stratégie de relève nationale dans le pays qui est Haïti. Qui gagne des gens qui vivent là-dedans pour une fois qui assument responsabilité yo, pour que vous suspendez la risée du monde. C'est responsabilité ça qu'on a parlé de aujourd'hui. Et autre chose, en 2009, malgré que le Dominicaine a été en pile avance par rapport à tout indicateur socio-économique, yo, IDH et autres, vous faites appel à Jacques Attali. Une commission d'environ 10 membres qui créé. Et puis on dit commission ça, on a une responsabilité. Comme nous pas satisfaits de Jean République Dominicaine dans le moment, hein, pour que une meilleure projection qui fait de la Dominicanie dans les 10 prochaines années. Jacques Attali, d'autres Dominicains capables, n'ont entendu, yo pond un document avec des objectifs, pas bagayan, les voyez monter, vraiment mesurables, quantifiables, et avec justement un chronogramme qui définit, donc c'est des bagailles qui atteignables dans le temps, pour nous capables de gagner des indicateurs précis pour nous connaître qui l'on a avancé, qui l'on a campé, qui l'on a fait back, vous entendez un sous-plan. D'où 7 chantiers que vous entendez pour vous renforcer pendant 10 ans. Et monsieur et certain, aujourd'hui que nous sommes en 2019, il est clair que la République dominicaine, sous base plan, ça a été écrit. Que société a entendu sur lui, il est capable de dire en 10 ans, est-ce que oui ou non nous avons été dans la bonne voie? Si il y a des erreurs qui t'empêchent que nous fassions de meilleurs scores dans les secteurs, voilà comment nous pouvons justement pas faire erreur ça ou encore colmater brèche, pallier à toute erreur qui t'est passée. Donc, son société qui dit, moi fixer des objectifs dans le temps, quel que soit monde qui vient prendre pouvoir, pour me connaître, pour me voter encore, c'est en fonction justement de l'objectif ça, qui est à ouais avec bonhomme comme monde, avec qualité la vie comme monde. C'est ça pour nous faire aujourd'hui. Mais monsieur, est-ce que nous connaissons tout? Bon, et est-ce que nous connaissons? Nous connaissons autant que moi-même que politique là, il y a une réalité. En politique, 3 ans, quand 3 ans, 3 ans, quand 3 jours, et 3 ans, quand paraît comme 3000 ans. Pour un exemple, je dis à la. Soutamment dit à maître André Michel, qui était Jovenel, faire reste mandat là, là pour reste mandat comme l'éternité. Nous n'avons pas de problème là. Nous-mêmes tout. Nous reste mandat comme l'éternité. Mais là, moi, on a parlé de transition de 3 ans. Est-ce qu'en 3 ans, on a pas arrivé à jeter base, on a dit là-haut, est-ce que nous pas dans le rêve?
C'est pour ça que je prends une proposition à Pascal là et nous mettons Pinga. Mm-hmm. Nous disons que c'est pour une transition pour que on ait pensé ou bien femme parce que mon cher, je vais mettre tête là pour mes affaires personnelles. Mais tout le monde va de bonne volonté, même j'en pendant que tout le monde va de bonne volonté, c'est là qu'on a parlé. Mm-hmm. Nous avons une question d'engagement. Mm-hmm. Pas oublier que nous faisons une proposition l'écrit, nous faisons une vidéo sous lit. Quel que soit l'heure, on est capable de tourner sous lui. Mais ça nous l'a dit. L'homme dit 3 ans, nous pas dit 3 ans pour que nous ayons fait 3 remaniements ministériels. Nous dit 3 ans pour que nous d'accord au moins sur le plan. Pour faire un plan, on fait dialogue national. Où est la proposition? Comment vous m'avez dit que je fais un plan sur 25 ans et puis je ne parle pas à la pays? Parce qu'un peu, nous avons dit dialogue national. Mais dialogue national pour faire quoi? Nous autres, nous disons oui, il faut le dialogue national. Parce que faut qu'on ait. Ça, nèg qui médecin wana met la pensée de structure sanitaire au niveau de wana met. Mm-hmm. Donc, faut une structure qui vous permet, disons, monsieur Baye, et disons ça, vous n'avez pas le faire sortir une sorte de papier plein, plein, non. Mm-hmm. Chaque fois qu'on moun exprime une préoccupation, il y a des techniciens qui prennent préoccupation ça pour transformer en proposition objective par rapport à plan. Donc, tout ça nous dit là, pendant 3 ans. Du tout, non, du tout. 3 ans sont des mises en place. De, période probatoire. Exactement. Pour me finir, Georges, pendant que nous parlons là, nous parlons en pile de travail. Mm-hmm. Et il y a des gens qui ont été comme des privilégiés, il y a des gens qui ont été dans le pays, hein, que ce soit agence à virer, que le président allait, que le président parle ou même à continuer à vivre. Mm-hmm. Mais l'engagement, ça que moi, Pascal prend, Georges, si c'était pour nous, personnellement, nous avons droit de dire, nous avons plein d'autres bails pour nous régler, mm-hmm. en nous occuper. Je pense à cet employé dont entreprise de la place qui rencontre même Pascal hier qui dit monsieur ça qu'a fait là dans la rue tellement partagé le trop mais monsieur m'a souffri oui monsieur dit m'tape travail 20 jours par mois c'est 2 jours bon qu'on est à rue et m'bra le marié dans moi oui monsieur dit font bagaille et sans nous monsieur pas connait qui est nous monsieur dit faut que le président démissionne le plus vite que possible. Parce que faut nous vivre. Si le job là par rapport à grand chose, mais c'est l'ingénieur. Attendez bien, oui, un citoyen lambda. Je dis, il y a 1 million de monde comme ça. Pays a bloqué, entrepreneur voué ou aller, ou bien, si ça a l'air de toucher à réduire, et puis vous-même, vous avez qui est plus de problèmes que vous avez avant, et puis vous avez équipe monde. Et c'est ça qui est un peu révoltant. Qui dans les discours, il faut respecter le mandat du mm-hmm. président de la République, mm-hmm. comme si le respect du mandat du président de la République est plus important que la vie femme ça qui est dans l'hôpital au cas là que vous avez violé, que vous avez un monde malade. 70 ans. C'est comme si le respect du mandat du président est plus important que moun yo tué dans la manifestation parce que, en pile, moun ici qu'on est la mort, existe le moment où mourir. En plus, les gens qui ont maladie existent, l'hôpital pas existe en Haïti. Là, il y a des gens qui sont malades. Moi-même, je dis, je n'ai pas besoin tant que c'est maman, c'est moi-même, c'est Zamim Pascal ou bien Georges Zamim. Qui ont un problème et puis je cherche l'hôpital pour comprendre que je dis, il y a un pays qui en agonie, mes amis, qui besoin de sortir. Et c'est pour ça, nous-mêmes, quel que soit ça que nous avons pensé, je dis, le président doit être plus lucide que jamais. Président qu'on est, démissionne. C'est pas parce que Raïl. D'ailleurs, nous disons dans la proposition, le président, ce n'est pas l'unique élément du problème. C'est un problème, un élément. Et c'est pour ça, je dis, si le président arrive à démissionner, nous sommes capables de faire l'autre émission là, sous plan. Parce que moi, je vais garantir qu'il doit faire 2 mois, nous retournons encore ces propositions pour le président démissionner. Entre-temps, problème économie filée, il y a plus de chômeurs, et puis le pays a vint tourner. On sort de bombe qui, en attente d'être activée, côté que ni moi-même ni vous-même nous on pas épargné et c'est souci ça qui fait que moi à Pascal nous sommes en train de continuer après engagement pas parce que nous avons un problème avec Jovenel Moïse qui nous ressemble d'ailleurs mais Jovenel Moïse aujourd'hui c'est l'arbre qui cache la forêt par rapport à tout ça n'a pas là plan sous 25 ans c'est un élément de blocage par rapport à tout ça n'a pas là il faut que le président puisse comprendre la nécessité de rendre le tablier pour que au moins s'il a rentré dans l'histoire il rentre comme un monde qui pas attaché à pouvoir intérêt personnel mais qui est un moment historique de la durée t'es d'accord faire sacrifice là pour que le pays a été capable d'avancer Kounia on essaie ouais monsieur très rapidement parce que nous allons marquer fin émission 1. Mm-hmm. Au-delà de
proposé dans nos écrans livre, un livre à succès déjà, des Mariotte, des ouais et Rué qui t'es gagné. Hein. Je dis là qui ça n'a pas fait comme une action engagée qui quittait papier à, mais qui beaucoup plus concrète ou même Pascal. Je dis là en plus de réfléchir. Nous avons obligation pour ne pas réfléchir pour compte nous. Parce que ça nous propose, ce n'est pas pour nous lié, c'est pour la société. Nous prenons bâton pèlerin nous pour nous être différents secteurs de la vie nationale. Nous rencontrer des secteurs. C'est certain. Okay. Rencontrer le maximum de monde possible pour que nous. Ce n'est pas question Georges Chemin, question Pascal, mais c'est Haïti. Comment nous sommes capables d'entendre nous sur ça? Maintenant, dans l'éventualité que un jour passé, deux jours passé, trois jours passé, nous pas capables d'avancer sous plan parce que justement, le président n'a pas de raison, eh ben, nous réservons le droit pour que nous renforcions millions d'Haïtiens dans la rue qui ont demandé des départ président. Mais nous dans la rue avec pour nous dire, nous solidairement comprendre justement la nécessité pour nous engager pour le président aller. Mais nous plus solidaires avant toujours pour que l'aide finisse aller, pour que nous avons un plan qui est préalablement défini pour que le pays a pris un vol. Parce que l'important pour nous dire, pas jamais gagner stabilité, tout autant pas un groupe de monde qui fait majorité à gagner intérêt pour que le continue à vivre dans le pays. Le monde a travaillé, le monde a projeté tête li dans la société, sous un an, sous deux ans, sous trois ans, pour dire que j'ai un avenir dans le pays. Ça vaut la peine que j'ai stabilité pour le monde à ce moment. Ah ouais, parce que le monde, régulièrement dans moi, ils ont rendez-vous soit avec l'État, soit avec un employeur, et pourquoi pas, soit avec propre tête pâle. Mais ils ont plan comme ça pour demander tout, pour nous fonger fort, pour nous batailler contre l'apartheid là, pour nous batailler contre le système ça qui dit, c'est une petite catégorie tout huit qui supposait gagner près dans ONA. N'a pas le bataille contre ça. N'a pas dit, le BEH gagne des moyens qui sont disponibles pour l'investissement qui fait dans le domaine agricole, pour que ce n'est pas le président et ses amis qui siphonnent comme ça, qui prennent. C'est toute bataille qui mérite mener pour que demain matin, jeune liste de soleil là, le monde soit disant dans la classe moyenne ou elle soit d'Elma, que le pas sauter. Parce que le connaît justement, le monde ça, son monde qui projette dans le pays. Son monde que le pays a offert opportunité, son monde que le pays a suspendu voler rêve li. Et à ce moment, tout Haïtien a comprendre que une heure de temps important, deux heures de temps important, parce que j'ai l'autre société qui est là dans l'an, tout le monde dans la dynamique pour y travailler, pour y avoir un cobre dans la poche, pour y définir le type de vie en vie menée. Et classe moyenne, n'a pas là aujourd'hui. Suspendre penser que ou même son monde qui est dans la lune, pas gagné qui passe dans le pays qui intéresse. Suspendre penser que chaque fois que le pays a gagné un petit chaleur par rapport à des revendications légitimes, ou même où son monde a pas, et puis regarder les gens qui sont là ou de haut, comme des sauvages, suspendre penser le comme ça, ou pas gagner un pays de rechange. Faut que une bataille qui mène pour que même gens ou même, ou un petit business aujourd'hui, ou un gourmet pour faire éducation petit tout, moun cité soleil, la, moun la saline, faut une bataille tout pour eux même, en mesure pour arriver dans le niveau ça. De telle sorte que, demain matin, l'on a acheté une limousine, nan, mais au moins, il a acheté une moto. Et avec la moto, il sent content, il à l'aise, il a un courant, il a l'école, et puis tout le monde en paix. Parce que je vous dis, en clair, ou même classe moyenne, ou quand ça ne pas en paix, c'est parce que depuis après 1806, nous pas jamais d'accord pour que la majorité qui mette à l'écart de sa ligne de bataille là, nous pas d'accord définir des politiques publiques pour entrer en danger là. Et aussi des millions. Donc il faut que nous entendions sur un plan au-delà de toute émotion pour que 7 millions, alors ces millions d'exclus, soient capables de sentir que graduellement, bon plan qui commence à prendre en considération. Gros livre n'a pas lié, nous voyons là-dedans. Et c'est là ça, tout le monde a en confiance. Stabilité a bien valeur dans les yeux chaque haïtien,
Parce que je dis, il y a soit l'instabilité, c'est instabilité permanente que lié dans votre monde qui n'a pas manger. C'est instabilité permanente que lié dans l'esprit monde le malade qui n'a pas prendre avion pour aller Miami, pour aller Saint-Domingue. Là, nous disons, je dis, pays loc là, pour nous même qui sommes Delma, qui pétue en ville, pays à loc, là, nous rendons compte que pas de machine qui passe, qui carotte ou qui boule. Mais pays à loc pour majorité, 24 sur 24. Parce que là, on moun, ou pas qu'à l'école, ou pas qu'à manger, ou bon cousin qui est dans la diaspora, mais qui tellement de monde qui souhaite s'habiter dans Haïti, ça l'a voué pour ou pas qu'à voir régulièrement. Ou imaginez un monde qui passe une semaine, qui pas même qu'à manger un plat chaud pendant 7 jours d'affilée. L'on parle de stabilité de pays à marcher, à qui moun va parler. Ce n'est pas un monde qui va parler. Donc, en de l'autre pays, non pas en apparence, mais en de l'autre pays pour tout bon. Et de l'autre pays, c'est avec un plan cohérent, un plan sérieux, un plan développement socio-économique pour la société Miwomiba capable vraiment de suspendre. Et l'impossible, il suffit que vous ayez leadership, que vous ayez volonté, que vous ayez monde qui d'accord sacrifier et me penser, moi et ma Georges Mim, dans la dynamique, ça nous vous dire. Voilà, une dernière question pour Georges Mim. Je n'ai pas besoin de poser la même question à Pascal parce qu'il y a cette harmonisation dans les paroles de vous deux. Et nous fourrons bouche nous dans gros causé dans un livre Toutounia pour me répéter Ralph Jean-Baptiste, est-ce que vous pas commencer à famer nous pas de petit problème bon, du tout non. Et moi pense que Georges question ça moi m'a pas qu'à me réfléchir avec l'ampile avant même nous prendre une décision pour nous faire plan livre là. Nous te connait réponse là oui mais nous te dit est-ce que n'a fait bac. Est-ce qu'on a cherché le accord ou bien est-ce qu'on n'a pas avancé? On a fait le choix pour avancer. Nous écrit le livre là. Il y a plus de 4000 personnes environ qui estiment que dans le moment historique, ça, la question de la corruption, la question du vol du bien commun au niveau de l'État, intéressé au besoin qu'on ait bien Jean Lapfette pour capable alimenter la bataille de revendication, qui était manifesté à Koryo avec nous le 11 juillet dernier à Mayotte. Nous prenons ça comme un acte d'approbation de ça nous avons fait nous-mêmes comme décision en écrivant le livre Toutouni. Et je me dis, l'homme d'après introduit l'émission, je dis, plus gros, non, en société, c'est quand tu prends l'enfant de 5 ans et tu lui poses des questions, qu'est-ce que tu veux être? Et puis sa société est suffisamment conçue pour que tout le monde a dit, moi, je veux 1, 2, 3, 4. Lorsqu'un jeune qui a sauté dans l'université, dans toute société qui. Qui a fonctionné, ces capacités que jeunes agents vous le disent, bon, moi, à 18 ans, m'a fini collège, m'a fini l'école secondaire, moi, m'a remis 1, 2, 3, 4. Je dis, la majorité jeunesse nous dans le pays, il n'y a pas même qu'à projeter tête sur dimanche prochain. Si je demande des jeunes, mais si je demande des sociétés en général, qui ça n'a fait dimanche? Personne ne va dire que je vais dimanche. Personne ne va dire que je vais dans plage dimanche. Personne ne va dire que je vais créer madame dimanche. On ne peut même pas projeter notre vie sur 72, 48 à 24 heures. Voire on ne peut pas projeter sur 5 ans, sur 10 ans. L'engagement d'écrire tout tourner, l'engagement de proposer la dernière transition, c'est un engagement pour que nous divorcions à pratique. Ça. C'est un engagement pour les gens qui sont dans la diaspora, qui disent m'en vie tourner, m'en vie contribuer, m'en vie porter aux ressources humaines que m'y a. Et engagement ça, soit penser à affamer, à pas affamer, à persécution, à menace, à pas prendre. Et chaque fois qu'on menace ou chaque fois qu'on persécution, moi et Pascal nous doublement motivés parce que quand on dit deal et nous pas jamais suspendre deal, le Jacoumet avec le gouverneur de la OZM, c'est votre gagne 40 ans. Je vous dis, Jacoumet est immortel. L'immortalité, c'est quoi? Tu as posé un petit acte que mon t'a shooté sur lui ou t'a craché sur lui. Mais 20 ans plus tard, ce petit acte qu'on t'a posé, c'est lui qui société a pris, soit comme symbole, soit comme énergie pour avancer. Dynamique, moi, Pascal, là, c'est dynamique pour que nous contribuions humblement, mais courageusement à ce virage vers le changement, vers la bonne gouvernance, vers la bataille contre la corruption, parce que si nous, c'est monde, je dis, il faut nous connaître les ressources humaines en Haïti, ou presque c'est des déchets, parce que je dis, alors, regardez l'autre société, nous avons réfléchi, par exemple, je dis, non, si t'as pas un logarithme peut donner le budget national. Alors, du pays. Algorithme. Un algorithme peut donner le budget. Un algorithme peut faire la répartition du budget. Mais nous, pour nous faire répartition du budget ici, depuis à 10 mois, il faut prendre le temps.
Faut que nous comprenions que nous sommes dans le monde et pour nous prendre engagement, moi, ma Pascal, Nabdouli, honnêtement, nous sommes plus que jamais engagés et engagés pour l'avenir de ce pays, pour le changement de ce pays, parce que nous croyons que si le pays arrive à changer, même les gens qui étaient fâchés avec nous aujourd'hui, il y a bien pour nous dire merci parce que nous avons contribué à changer ça. Et ce sera le mot de la fin. Messieurs, merci. Merci à vous de nous avoir invités. Nous pensons que ça vaut la peine. J'ai un peu le monde diaspora dit là. Nous insistons plus sur diaspora. Il faut que nous changions la narrative là, par rapport à Haïti. Il faut qu'il y ait l'autre parole qui parle. Donc merci un peu pour tes bonnes possibilités pour nous porter l'autre parole ce matin. Merci Georges-Mi. C'est ton plaisir, Georges. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Restez branchés pour la suite de la programmation. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC. Une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les scènes de pillage et d'incendie se multiplient dans la ville d'Ecaille en dépit d'une diminution des manifestations anti-gouvernementales. Des groupes de casseurs, le visage couvert, arpentent les rues et rançonnent les passants. La vie a repris ce jeudi au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince après plus de 3 semaines de blocage. Les banques commerciales ont fonctionné ainsi que le commerce informel, entre autres. Des embouteillages ont même été constatés dans certains endroits. L'opposition radicale annonce pour ce vendredi une nouvelle manifestation anti-gouvernementale. Les manifestants veulent se rendre devant les locaux des Nations Unies afin de demander à l'ONU de se désolidariser du président Jovenel Moïse. L'anarchie et le chaos se sont installés dans la ville d'Ecaille au cours de ces derniers jours. Les scènes de pillage et d'incendie se multiplient en dépit d'une diminution des manifestations anti-gouvernementales. Des groupes de casseurs encagoulés arpentent les rues et rançonnent les passants. Les autorités locales n'ont fait état d'aucune disposition pour ramener la paix dans la cité. Les forces de l'ordre réalisent peu d'interventions pour protéger les vies et les biens. Les policiers semblent résolus à conserver leur énergie pour défendre leur commissariat, puisque des rumeurs circulent qu'ils seront la prochaine cible des bandits armés. Ces groupes ont attaqué hier l'hôpital public Immaculée Conception. Ils ont emporté des matériels et l'argent de plusieurs malades. Une femme de 70 ans a été violée par les bandits. L'hôpital est pratiquement fermé puisqu'il n'y a aucun personnel médical. Outre l'hôpital Immaculée Conception, 2 autres hôpitaux ont été contraints de fermer leurs portes parce que ne disposant plus de matériel pour leur fonctionnement. Entre-temps, les habitants de la ville sont confrontés à une pénurie d'eau et le carburant n'est plus disponible. La nourriture manque suite au pillage de plusieurs magasins et aux attaques contre les marchands. Après les violences, la ville d'Ecaille est désormais confrontée à une crise humanitaire. Les artistes élèvent la voix et prennent position après 3 semaines de blocage. Les différents secteurs de la société civile et politique se sont longuement exprimés dans les médias ces derniers jours suite aux troubles sociaux que traverse Haïti. Mais qu'en est-il des artistes qui sont souvent utilisés pour galvaniser la foule ou servir de canal de communication lors des campagnes électorales ?
Quinquino et Roberto de Belplaisir, réunis au sein d'une organisation représentant quelque 70 artistes, préconisent la démission de l'ensemble des acteurs de la classe politique, un gouvernement de transition nationale ainsi que le changement d'un système corrompu décrié par la population. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon. Les artistes sortent de leur silence et souhaitent prendre position sur la conjoncture actuelle. Trop souvent utilisés lors des campagnes électorales pour les spots publicitaires et supporter tel ou tel candidat, les artistes haïtiens souhaitent réussir là où les hommes politiques ont trop souvent échoué, à savoir se réunir au travers d'une organisation en mettant préférences et couleurs politiques de côté pour enfin devenir un élément décisionnaire dans le futur du pays. 24 artistes ont donc signé une note officielle demandant un renouvellement de la classe politique à travers la démission du président Jovenel Moïse. Parmi eux, Quinquino, l'un des initiateurs, qui revient sur la création de ce groupement appelé à devenir un syndicat. Nous regroupons nous comme un groupe artiste qui voulait établir un cadre dans la communauté artistique et qui voulait former un syndicat représentatif. Leur grand problème dans ce qu'il y a, nous qu'à gérer. Il y a une hypocrisie totale dans la société et un préjugé complexe contre l'autre monde. Mm-hmm. Automatiquement, les gars, c'est la bande à rallier, il n'est pas considéré comme artiste ni superstar. Nous ne parlons pas comme ça. Et nous regrouper nous pour encadrer tout le monde indistinctement. Là, nous disons artistes, nous ne parlons pas de chanteurs, nous ne parlons pas de musiciens, nous ne parlons pas d'artistes peintres, nous ne parlons pas de poètes et tout. Les élections sont souvent le moment propice pour utiliser l'image des artistes à des fins politiques. En ce sens, Quinquino dénonce cette hypocrisie qui consiste à les manipuler, d'où la création de ce syndicat. Ils voulaient tout utiliser, nous les voulaient. Exemple, l'on est dans l'élection, les fouilles, mais l'ampania, les bons artistes, et soit le bon Roberto Martino, ou bien, les fouilles, mais l'ampania, ça, les prend la rivière, les fouilles, l'ampania, ainsi de suite, les prend différents artistes. Mais nous disons non, on ne peut pas continuer comme ça. Mm-hmm. Nous disons d'abord regrouper nous. Et là, nous voulons faire opinion politique, nous, ou bien nous voulons faire choix dans le monde qui est le président d'Haïti, parce que nous tellement prenons baffe, nous tellement prenons calotte, nous fait président, nous tellement prenons baffe et calotte, nous fait sénateur et député, nous tellement prenons baffe, nous fait des secteurs privés qui décident d'investir, parce que plus qu'elle investit, c'est le diriger ni président, elle dit ni parlement, elle dit non, nous dit non, nous disons la proposition pour nous bailler tout pour nous répliquer. Seuls 24 artistes ont signé cette note officielle. Ce nombre peut paraître faible, mais en raison du manque de temps, certains n'ont pu apposer leur paraphe sur ce document, mais ce n'est que partie remise. Alors, que propose-t-il exactement comme solution de sortie de crise? Population, et nous-mêmes qui suivent, nous disons, bon, président Jovenel, nous ne sommes pas mauvais monde. Nous ne connaissons pas ça au niveau personnel. Et nous ne pas faire personnalité. Nous disons que nous avons un bon job. Ou bien nous avons un bon job, ou bien ça dit, ou prend un job, que ce soit façon de mettre là, mais où c'est président d'Haïti. Et de fait que tout le monde d'accord, vient d'accord avec ce président d'Haïti, ou gagne une responsabilité. Mm-hmm. Et leur responsabilité, ça pas assumé, nous-mêmes nous disons, mon cher, vous avez deux choix là. Soit ou bien nous, ça nous besoin, tout bon pour nous vivre en tant que nation, ou bien, font un gens, font acte de sagesse, quittez ça parce qu'on pas capable. Ou pas capable parce que peut-être, ou pas une volonté, non? Ou pas capable de passer deux pieds au mât, ou pas capable de vrai délivrer. Roberto, du groupe Belplaisir, abonde dans ce sens et préconise de son côté la démission du gouvernement actuel ainsi que de l'ensemble des députés et sénateurs. Même les gens qui sont en opposition, qui sont en goumé, c'est retirer quoi pour mettre. Comme nous ne parlons pas de ça nous-mêmes, nous ne parlons pas encore. Nous prenons trop. Vous comprenez? Donc, nous sommes là, il faut que tout le monde aille. Ni président, ni sénateur, ni député. Et ça n'a pas l'air là, ce n'est pas bon pour Haïti. Si on est en Haïti, tout le monde connaît. Où est Bat 4 là? Où est Bat 4 là? Et nous commençons à zéro parce que nous tout échouons. Nous tout échouons. Je ne veux dire là, nous tout échouons, monsieur. Nous tout échouons. La bourgeoisie échoue, le pouvoir échoue, l'opposition échoue. Parce que dans l'opposition là, nous ne pouvons jamais voir une qui vient avec une proposition, mais ça nous va le faire. Mais on plan. Comme si je me disais, OK, président parle encore, qui ça nous va. Comment ça me résout? Donc, ce n'est pas une question de président, ce n'est pas une question de Jovenel Moïse, c'est une question du système. Je suis président 2000 ans, je garantis, après un an, à Babel. Et après cette démission encore hypothétique, l'artiste recommande la mise en place d'un gouvernement de transition capable de répondre aux aspirations de la population durant un temps bien déterminé. Donc, processus pour président, tu as. Levez vos îles pour aller, pour moi, pour vous, tout vos systèmes aller, c'est sacré l'état pour la raza, pour mm-hmm. tout appliquer. Mm-hmm. Donc pour nous appliquer, moi-même pense qu'il faut que le président Tachita
Et puis pour transition, ça a fait, pour le fait bien, côté que, passer à ce pouvoir, pas bras, jouer une opposition, ou retirer corps. Il y a plein de tout, oui, mm-hmm. parce que c'est haïtien tout, il est concerné dans ce qu'a fait dans le pays. Mais là, bon, tout à l'avenir, pour eux-mêmes, pour petit-sitio, pour petit-sitio. Donc, transition supposée, et deux présidents, Kishita, nous fait d'une manière, côté, avec un pile dialogue. Ordonné. Nous passer Libye, et une juge et cassation, c'est ça? Mm-hmm. Et puis, former, s'agréler, armée de salut public. C'est ça que les tabous la raza, c'est des membres dans la société, qui a sorti un artiste, qui a sorti un monde, même dans l'opposition, qui a sorti un monde, l'église, dans le secteur et vaudouisant. Ça veut dire, on réunit des mondes qui là, pendant une période peut-être de 2 ans ou 3 ans, qui pourraient définir qui route nous allons avec le pays, pour ne pas tourner dans le bagage. Ça, ces démarches-là, c'est à aller... Pour moi, c'est ça le tatoué. Les artistes haïtiens ne souhaitent pas être les laissés pour compte dans cette crise qui secoue le pays. Leur prise de position s'ajoute à celle d'une longue liste d'acteurs de la société civile qui réclament des politiques un réel changement. Ce nouveau syndicat aura-t-il les ressources suffisantes pour fédérer l'ensemble des artistes et devenir une vraie force? Les 24 signataires le croient dur comme fer, à eux de concrétiser leur projet afin qu'ils ne tombent pas dans les abîmes de l'oubli. Le ministre démissionnaire de l'économie et des finances, Joseph Joute, a procédé ce jeudi à l'installation d'un nouveau directeur général à la tête de l'inspection générale des finances, Wolf Dubik. Dans son discours de circonstance, M. Dubik s'est montré lucide par rapport aux problèmes urgents de l'heure, notamment la corruption. Des mesures seront prises en vue de faciliter la transparence dans la gestion du trésor public, a précisé le successeur de l'inspecteur général Guy Romero Latry. Tout en sollicitant la collaboration des cadres de l'IGF, l'ancien président de la commission de restructuration de l'OAVCT a réitéré son engagement à bien poursuivre la mission de l'institution, qui est de vérifier, de contrôler et d'assurer l'audit technique sur l'ensemble de l'administration publique, entre autres. Écoutons tour à tour le ministre démissionnaire, Joseph Joute, et le nouveau directeur général, Wolf Dubik. Je veux souligner à votre attention que l'IGF est un service technique déconcentré au sein du ministère de l'Économie et des Finances, chargé d'auditer l'ensemble des institutions publiques du territoire, gestionnaires des fonds publics. C'est une structure de conseil et de contrôle créée par le décret du 17 mars 2006 à promission, et je cite, vérifier, contrôler, assurer l'audit technique, administratif, financier et comptable, a priori et a posteriori sur l'ensemble de l'administration publique nationale. Étudier toutes les questions, d'exécuter toute mission relative aux finances publiques, à la comptabilité publique, au programme d'investissement public, au marché public, au patrimoine de l'État et des collectivités locales, ainsi que celles liées à la discipline budgétaire et financière. À ce titre, l'IGF agit comme gendarme des finances publiques. Elle intervient dans toutes les activités, généralement quelconques, liées à son domaine de compétence. Et ceci à tous les niveaux. Ministère, collectivité territoriale, organisme public, entreprise publique ou mixte. Tout ceci laisse croire que son importance est capitale dans la gestion même des finances publiques. Afin d'évaluer et d'auditer les performances des différentes institutions publiques haïtiennes. Une meilleure gouvernance globale auquel s'ajoute l'obligation de rendre des comptes. Dans un tel contexte, l'inspection générale des finances, conformément à son mandat, se retrouve à l'avant-garde
des efforts courants de premier plan dans la lutte contre la corruption. Je dois vous signaler également, dans le cadre de la corruption, ça, moi-même, je prends engagement. Automatiquement, nous faisons une installation, nous allons faire déclaration patrimoine. Et une fois que je dis déclaration patrimoine, ma déclaration de patrimoine sera consultable. Elle dit, mais ça me procède, mais ça me gagne. Dans sa mission fondamentale et sa manière d'intervenir, l'IGF réalise un travail en amont qui devrait permettre d'anticiper les dérives, corriger à temps les écarts indésirables et éviter les catastrophes plus grandes sur une période de temps. Un peu de mots, les intervenants sont censés contribuer à alerter sur les malversations à leur point de départ et de contribuer à les corriger avant qu'elles ne se transforment en pratiques de corruption, avec les conséquences nuisibles que l'on sait. À ce titre, l'IGF doit prendre les dispositions appropriées pour une surveillance effective de l'État et à travers des actions de sensibilisation, de vulgarisation et de formation, et même créer les conditions pour renforcer la reddition des comptes. L'IGF doit également développer un système de suivi solide de la performance des organismes étatiques, promouvoir la discipline financière et fiscale. Je dirais également, l'IGF doit renforcer la transparence et la communication dans des rapports produits dans les délais établi. L'IGF doit contribuer à faire respecter les droits de l'État actionnaire dans les compagnies d'économie. Ce que j'appelle les compagnies d'économie, je parle également dans le cadre de la Nantcom. L'IGF doit pouvoir intervenir, voir qu'est-ce qui se passe là-bas. 5 morts et une vingtaine de blessés, c'est le bilan enregistré par l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti, IGPNH, suite aux mouvements violents qui ont eu lieu dans le pays durant le mois de septembre. L'IGPNH se propose de faire la lumière sur les cas d'usage abusif de la force reprochés aux différentes unités de la PNH au cours des dernières manifestations. Suivez les explications du commissaire Jean-Claude Benjamin, porte-parole adjoint de l'IGPNH. Nous avons une équipe d'enquête qui a transporté dans l'hôpital Bernard Meuse. Nous avons auditionné plusieurs victimes. Il y a des victimes du grand banditisme, mais il y a aussi des victimes de manifestations. Malheureusement, les gens n'ont pas en mesure pour être indexés, un policier ou bien un patrouille policier. Ça qui mettait les enquêtes là en cas difficile, mais l'IGPNH a dégagé le coup qu'on connaît pour lui identifier les gens qui ont fait et Zach Sayo. Ensuite, l'IGPNH est déplacé également pour le théâtre Saint-Marc. Et nous avons une victime Saint-Marc qui a été auditionnée dans l'hôpital Saint-Nicolas, parmi lesquels il y a 17 blessés par G2-Pierre et Blanche, nous avons 4 blessés par balle. Dans 4 blessés par balle, il y a un monde qui est sous tête là, en fait, c'est sur l'étage qui a filmé la manifestation, et puis il prend un balle. Mais il n'est pas capable d'identifier qui côté balle la sortie, qui monde qui balle. On a rappelé tout que dans les blessés par balle, victimes ont fait comprendre que deux Toyota Zorekin qui tirent sur eux pendant la manifestation. Enquête inspection générale révélait que Saint-Marc n'a pas gagné Toyota Zorekin, sinon il y a une seule machine dans le type ça, dans le département, mais ce n'est pas Saint-Marc qui est lié. Donc, on a profité. Faire population connaît que faut prendre plus de précautions, faut veillatif, parce que ce n'est pas toute machine qui a mon armée là-dedans, qui c'est policier, malheureusement. Et de tout à l'heure, ça y est, s'il vous plaît, nous faisons comprendre que c'est de tout à sans plaque. Donc, pas gagner vraiment, en fait, il est difficile pour nous identifier. Gagner également d'autres allégations d'usage d'armes à feu. Par exemple, ils ont pointé un patrouille de mots dans le pont rouge, ils ont pointé un patrouille Boyd qui t'a fait un mort par balle.
mais malheureusement l'IGPN n'est pas capable et pas en mesure pour faire lumière sous lui puisque le cadavre a été déplacé. Donc nous pouvons faire une lumière sous casa. Gagné également un petit monde qui était victime dans le corridor Bassac qui est blessé, mais nous pouvons en mesure vraiment pour nous faire lumière sous yo raison en pile dans casa yo. Pas de personne qui peut te plaindre ni dans la police ni bon côté commissaire du gouvernement. On a profité de lancer appel. Tout le monde qui est victime dans ce sens, nous toujours dit l'inspection générale est ouverte et disponible pour prendre toute doléance, toute plainte. Et c'est devoir nous pour nous faire lumière autour de dossier ça. Donc tout le monde, généralement quelqu'un qui constate côté que gagne un bagage qui a passé qui t'a intéressé l'inspection générale, donc nous pensons que nous l'ouvrons pour porter plainte pour capable de nous faire lumière sur ça. Les leaders de l'opposition haïtienne ont franchi une nouvelle étape dans la mobilisation visant à provoquer la démission du chef de l'État Jovenel Moïse et annoncent la tenue d'une nouvelle manifestation pour ce vendredi 4 octobre. Selon les responsables des différentes structures de l'alternative consensuelle pour la refondation de l'État, les manifestants vont se rendre devant les locaux des Nations Unies afin de demander à l'ONU de se désolidariser du président Jovenel Moïse. Moi, parler avec au moins deux membres qui sont dans le cabinet directeur général de la police, là, M. Normil Rameau. Yo, dis-moi. Yo bay la garantie la plus totale à toute la population haïtienne que demain la police a sous place Port-au-Prince dans tout lieu de rassemblement yo pour accompagner manifestation hein, jusqu'à ce que manifestation arrive côté le doit arriver demain hein, dans Port-au-Prince devant local Nations Unies sous route Lessine. Et au dimoins également y a présent dans tout pays, dans tous 10 départements géographiques pays, pour être capable d'assumer responsabilité constitutionnelle, parce que ils sont forces de maintien d'ordre, ils sont forces républicaines de protection des vies et des biens. Son façon pour nous bailler garantie à tout le monde qui vient manifester demain, quelle que soit la quantité d'argent qu'on gagne, quelle que soit la couleur, qui tout qu'on lit, qui tout pas qu'on lit. Socio-professionnels. Nous voulons dire, son manifestation qu'a faite sur des bases démocratiques, sur des bases constitutionnelles, la police a sous place pour bailler tout le monde sécurité. Et manifestation demain, elle a une portée symbolique. C'est une manifestation côté peuple haïtien, comme une seule femme, comme un seul homme, elle pourrait adresser aux Nations Unies pour dire communauté internationale. Lorsque vous gagnez la population qui descend dans la rue de manière aussi massive, la communauté internationale ligue pour le choisir. Défendre un président impopulaire rejeté par la population ou bien rallier position peuple. Et au nom de la morale internationale, au nom du droit international, je demande à la communauté internationale de comprendre que le peuple a rejeté Jovenel Moïse comme chef d'État et que cette communauté internationale, théoriquement morale, ne peut pas continuer à supporter un chef d'État rejeté par la population. Ils sont obligés de comprendre que c'est amis pays d'Haïti, ou pas amis Jovenel Moïse, et c'est ça le message qui va être porté et délivré demain devant le local des Nations Unies sur la route de l'aéroport. Notre invité de ce soir est M. Jude Charles Faustin, l'un des conseillers politiques du président de la République. Avec lui, nous allons faire une rapide revue de l'actualité du moment. Bonsoir, M. Faustin. Bienvenue sur les plateaux de Metro News. Bonsoir, M. Klein. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Et merci d'être venu jusqu'à nous. D'accord. Merci. Bon, monsieur Faustin, la
L'opposition dite radicale vient de former une commission qu'ils ont baptisée, autant que je me rappelle, commission de facilitation de la transition du pouvoir. Chaque mot a son importance. On parle de facilitation et on parle de transition. Une commission de 9 membres, il y en a 7 qui sont déjà nommés, il en reste 2 à nommer. Bon, comment la présidence de la République a réagi face à cette initiative? Bon, et la présidence prône un accord politique, donc résultat d'un dialogue entre les acteurs politiques. Et tout résultat de ce dialogue doit être respecté l'esprit et la lettre de la Constitution. Donc, en ce sens-là, nous ignorons tout simplement cette démarche de l'opposition politique et on pense que ça s'est pataugé au ridicule. Donc, on ne va pas tenir compte de cette approche-là. OK. Donc, au départ, et la présidence, donc M. Moïse lui-même, donc, il estimait que dans la mesure où la commission Savagon approche strictement constitutionnelle des choses, il n'est pas préoccupé. Bon, écoutez, nous, quand même, c'est un pays, son république, qui gagne l'Oali. Nous avons une constitution et le président de la République là, est allé dans l'élection sous égide constitution ça. Et pourquoi gagner aucune décision qui prend qui mettait constitution ça en veilleuse. Donc nous conscients, nous avons une crise dans le pays, hein, donc il nous faut un accord politique, mais en respectant l'esprit et la lettre de cette constitution. Très bien. Bon, moi, je vais poser une question un petit peu brutale, mais je pose au lit quand même, parce que c'est un peu l'opinion et générale. Le président de la République aujourd'hui préside quoi? Il est le président de quoi? Parce que bon, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de parlementaire, la justice, hein, pays a bloqué, pas de gasoline, manque d'eau, manque de produits de première nécessité, violence à bâbord et à tribord, tout de côté, moi-même victime 2 fois déjà. Bon, le président de la République est président de quoi? Bon, et en fait, Gagné soulevait des préoccupations d'Acadie par rapport à la situation PIA, je vous dis. Donc, de toute façon, tout le monde connaît que PIA Gagné, il y a un monde qui était élu dans l'élection démocratique, et qui sont élections qui pas Gagné. Exact. Et trois contestations. Le président jouit de la légitimité de ces élections-là. Donc, président. Surtout de l'international, d'ailleurs, il faut le reconnaître. Bon, écoutez, Haïti, son pays qui n'a pas vu en vase clos. Donc, l'international le reconnaît comme le président, mais, pas qu'une discussion de ça. Mais surtout, il était élu en bonne et due forme. Voilà, donc, c'est ça qui fait que lui, en tant que leader national, il a une reconnaissance de l'international. C'est ça. Donc, je vous dis à la bonne situation, et M. Klan, qui crée dans le pays depuis environ 1 an, OK? Et côté Gagné, il y a une opposition radicale, j'en ai dit tout à l'heure, qui a radicalisé de jour en jour position yo, qui n'a pas priorisé le dialogue comme moyen de résolution de conflits et dans tout pays sous la terre. Donc, les gains de problèmes, donc c'est le dialogue qui prime, c'est le dialogue qui prévaut pour que yo capable de chercher et solution. Yo. Donc, maintenant, c'est pas, comme si Mdaga dit, c'est une crise récurrente que nous vivons en Haïti, c'est pas une crise, comme si Mdaga dit, qui date je vous dis, président Jovenel Moïse, il arrive un moment, côté effectivement, Mdaka dit crise là, il accentue. Et que
Jodia et mandem qui est-ce qui a dirigé pays hein, constitutionnellement, légalement, m'a répondu que gagnons président dans pays hein, qui relève Jovenel Moïse oui. Et malheureusement pays hein, tant coup gagne de l'autre pays mm-hmm. qui était passé par là, mm-hmm. qui connaît de moments mm-hmm. difficiles et que Jodia président depuis le rivet d'ailleurs, mm-hmm. il était toujours priorisé le dialogue oui. parce que il était rendu compte que malgré le mandat qui bat une certaine légitimité, mm-hmm. mais problème est beaucoup plus profond mm-hmm. et faut que tu gagnes une discussion qui fait entre haïtiens mm-hmm. pour que nous capables chercher souvler issue oui. définitive et Jodia nous voulons mettre accent sur ça, nous devons chercher issue définitive mm-hmm. parce que à chaque période de crise yo, nous toujours joindre de solutions soi-disant de sortie de crise mm-hmm. et puis quelques mois plus tard pour nous retourner dans la même situation. Bien, même bien, donc oui. là, donc faut que gagnent on bon chit attendez entre mm-hmm. haïtiens pour que nous capables mettre tout problème mm-hmm. sous table là et pour nous capables dégager d'Acadie de solutions durables et pour pays ça capable de lever ce campli. Oui, t'as aimé faute outil précision rapide là, me dit que c'est l'opposition radicale parce que c'est comme ça rebaptisé Tétio. Baptiste était tout radical. Bon, il faut d'abord parler de l'opposition plurielle en Haïti, ou composition radicale, ou composition modérée, ou composition démocratique et populaire. Donc là, on dit l'opposition, bon, c'est une nébuleuse. On y est là, c'est l'opposition radicale qui crée Commission ça dans le but de dialoguer. Mais, c'est ça, il dit. Mais non, dialoguer avec non, qui non, dialoguer, chita, avec le président. Là où, et nous tige en compliqué. Il paraît qu'on a une interprétation de dynamique que monsieur entreprend, parce que il n'a pas dit qu'il a pour dialoguer avec le président. Non, il a dit pour chita avec elle pour trouver une facilitation. C'est-à-dire que c'est là le problème, là, c'est que il est d'accord pour parler, mais il n'a pas voulu parler de n'importe qui ça. Je voulais parler d'un seul sujet, qui est comment organiser le départ immédiat et ordonné du président de la République. Contrairement à l'opposition radicale et démocratique, qui lui-même était toujours chita, dit que l'IPAP discutait avec le président. Mais côté bas, elle avait une outil bien intéressant, c'est que l'opposition, dans son ensemble, c'est-à-dire radicale et démocratique et populaire, ils ont décidé que demain, vendredi, on va à nouveau organiser une manifestation qui t'a semblé, ça n'était pas, et vendredi passé a déjà, avec cette différence que les membres de cette commission, ils ont déjà fait connaître qu'il y a de telles manifestations. Donc, je vous rejoins en quelque sorte. L'opposition plurielle, au moins là, il y a d'accord que manifestation est pour faite. Bon, écoutez, manifestations sont droits, sont acquis constitutionnels. Pas gagné, donc pas gagné. Et le président Jovenel Moïse, pour voir Jovenel Moïse là, pas gagné aucun problème avec manifestation. Mais ça n'a pas gardé depuis un certain temps, c'est que gagné de manifestations violentes, de manifestations crasées, brisées, qui a fait dans le pays et qui a mené par des monde connus. Et qui assumait pleinement, d'accord, tout dégât qui passait dans le modèle de manifestation. Ça. Et c'est ça, capable, je vous dis, c'est inquiétude tout haïtien en général. Qu'on monte du pouvoir ou bien ou de l'opposition. Ou donc, aux simples citoyens. Aux simples citoyens. Donc, oui. violence, ça, oui. que n'a pas vu, je veux dire, son bagage qui est inacceptable, qui est condamnable. Donc, dans ce sens-là, il faut sortir de cacan, ça, il faut sortir de situation de violence, ça, d'accord, qui est chronique, je veux dire, puisque aucunement nous pas jouer une solution yo, par la violence. Nous t'es ouais situation de jour mais prend exemple ça Rwanda qui l'année 94 ça pas fait longtemps là. L'année 94 yo t'es ap déchiré yo yo t'es non lutte et fratricide que on génocide 800 000 moun tombé mais c'est le dialogue qui finalement gagne cause. C'est le dialogue qui permet que je le dialogue est la poigne de M. Kagame. Non, mais Kagame, il vini après le dialogue. M. vini après le dialogue là. Oui, non, mais quand donc, même, 800 donc, 000 morts. Ah oui, c'est quand même. Mais ça va empêcher que jusqu'on y a, il y a deux mondes qui ont recherché. Il y a deux mondes qui ont voilà. demandé. Alors, justement, où fait que dit là, M. Faustin, que c'est violence, pas les manifestations. Ces violences dans les manifestations sont organisées par des gens
connu. Eh bien, pour que ça ne va pas faire rien contre tout ça. Bon, écoutez, le président de la République, en plus, il y a une question qu'il a posée, ou s'est posée là, c'est qui ça l'a dirigé. Oui. Mais, pas oublier, nous, à vivre dans une République qui a une loi, qui a une institution. Le président de la République lit, d'ailleurs, la constitution dans un article, dit qu'il est le commandant en chef des forces armées d'Haïti et des forces de police. Exact. Mais dans ce même article, un peu plus bas, il dit qu'il ne les commande pas en personne. Donc, il voit qu'il en l'est. Il pas attrapé. Donc ça veut dire que pouvoir, ça que tout le monde a pensé que le Bali a, même constitution a retiré. Oui, mais enfin, ok, mais le président, bon, même s'il n'y a pas de gouvernement nommé et reconnu aujourd'hui, même si ce sont des ministres AI cap mener les affaires courantes, il y a quand même un ministre de la justice. Et ce ministre de la justice, l'Ipataka saisi le parquet pour dire parquet à mon série de criminels notoires connus, voilà les faits, voilà les preuves, et lancer l'action publique. En fait, depuis l'arrivée du CSPJ, donc Jean, traditionnellement, moi-même avec vous, bien avant cette constitution de 87, situation pas même bagaille. Parce que je vous dis à CSPJ, Dakadi, c'est. Sous l'autorité du Premier ministre. C'est lui-même qui régulateur, c'est lui-même qui gagnait responsabilité de secteur, ça qui c'est la justice. Oui. Donc maintenant, le commissaire du gouvernement, quand même, a une responsabilité en tant que monde qui peut assurer les poursuites. Ok, le commissaire peut requérir bien la force, le CSGI bien sûr. Pour aller. CSGI, pays, pas doit décider, il le bon matin, il dit, ah, Marin, fille du monsieur Fossé, il va l'arrêter. Et c'est en ce sens-là, parce que Fomzou, président Jovenel Moïse, pas venu, comme sinon logique de persécution politique. Et peut-être, si on a bagaille, que de mettre en défi pour dire que le président a persécuté moi. Ok, donc, livrer institution fait travail. Et commissaire gouvernement qui était là, donc son est qui compétent, son est qui respectueux, mais il y a un moment, il y a des missions, certainement, il fait face à d'énormes difficultés dans l'exercice fonction. Donc maintenant, il y a un monde qui est là, qui pour le temps, tant qu'on a une situation gaz qui t'a passé un peu partout dans le pays. Mais ce n'est pas le président de la République. Je vous dis, il y a des institutions qui sont là pour question gaz. L'État, par exemple, ministère du Commerce doit être là pour occuper de régulariser le secteur. Mais donc ça veut dire que pas gain gaz, c'est le président. Mairie, magistrat en élection, yo gagne, yo là pour gérer communio, fatra abjoncher un peu partout, c'est le président de la République. Donc définitivement, donc nous avons une république présidentielle. C'est comme si c'est le président qui gagne toute responsabilité et c'est pas le cas conformément à la loi et à la constitution. Oui, mais c'est vrai dans la pratique. C'est traditionnellement, mais nous sommes la réalité présidentielle en non, Haïti. Mais écoutez, depuis le président fin parler, le président a parlé, point barre. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas moi que t'ai dit. Non, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, je parle de la réalité par opposition à la théorie. Bon, Haïti vit sous un régime présidentiel. Nous avons regardé, nous avons constaté, par exemple, président, il y a une constitution, balle prérogative, pour le nommer. Non vacances, on a dit au niveau de la primature, pour le nommer en premier ministre. Et puis le premier ministre ça a nommé, et puis après, bon, l'autre institution qui a pour le faire travailler pas. Et puis il y a un déni de fonctionnement au niveau de l'institution, ça qui n'a pas fait job. Donc maintenant, et la balle revient encore au président de la République, qui constamment à la recherche de solutions et en pile fois fait des concessions pour l'avancer. Nous ne pas rentrer dans le scandale. Ça. Ah, voilà. Donc okay. Parce que tout le monde compte très bien de qui sera parlé. Voilà. Et c'est un scandale. Dernière question rapide de M. Fossin. Et en pile monde reproche, président, de ce que vous attendez. Quand aussi ça a passé dans le pays, il n'y a pas intéressé. Ou alors qu'il est tellement dépassé par les événements que par contre, qui ça vous le dit. Alors, petite parenthèse, on l'a vu quelques minutes ce matin dans les rues de Pétionville. Monsieur descend machine là, il faut y parler, et puis il est rentré dans la machine. Bon, alors, ce silence, pourquoi prendre le risque en se taisant, en ne disant rien, pourquoi prendre le risque de passer pour quelqu'un qui se fiche de ce qui se passe dans le pays? Et, M. Klan, c'est la même situation. Avant, je t'ai dit que le président parlait trop. Nous songez ça.
Et parce que le président, dans la dynamique, dans le déplacement que le qu'on gagne chaque semaine dans la province, donc chaque fois qu'il en province, il y a un groupe de journalistes qui joue une opportunité pour questionner. Et ça fait chaque semaine, vous attendez effectivement le président dans les médias. Donc depuis un an environ, situation qui vient, président déplacé moins, et il parlait moins également. Mais le président, donc, gagne, si vous voulez, un premier ministre qui est là. Et gagner chaque ministre en ce qui leur concerne. Ils ont même eu gain pour faire job par eux. Donc, le président n'a pas gain pour parler toute la journée. Non, mais je dis, dans la situation de crise côté noyé, le président a rencontré et deux secteurs. Voilà. Il a pu parler avec deux secteurs. Et tout récemment, le président fait une adresse à la nation. Et le président, donc, il n'est pas capable chaque semaine tout faire de nouvelles adresses. Parlons de cette adresse à la nation. Le pays a reçu cette adresse. Donc, vous soufflette. 2h du matin. Bon, écoutez. Vous avez annoncé quelque chose pour 7h30 du soir, dit 2h du matin, lorsque ça a été diffusé sur les chaînes nationales. Et finalement, pour entendre quoi? Rien de nouveau. Monsieur Klein, pas une proposition nouvelle, mais pas non. Un mot sur les drames humains. Qui se passe tous les jours et dans le pays. Et Mbakwes, c'est ça. Parce que premièrement, nous avons une journée de 24 heures quand même. Et ça qu'on arrivait côté, me songer, le premier ministre Antelal a annoncé que le Bois le Palais, ça a duré 3 jours avant de dériver le palais. Donc, pas les gens n'ont rien pour le palais. Donc, la palais, et ce n'est pas en question de qui le palais. Ça a son autre cause. Parce que ça qui est important, c'est que le message président faut le diffuser pour tout haïtien, haïtienne d'étendre et ce qui a été fait. Maintenant, on dit que le pas dit rien qui est nouveau, moi pas quoi, puisque le président, Livini, il faut adresser à la nation, il fait une proposition importante, la donne, côté il dit que l'a dialogué avec l'opposition rien radicale et on va former un gouvernement d'union nationale. Donc là, on va pas dire, M. Klein, que le président n'a pas adressé rien. La seule nouveauté, c'est le dialogue. Il dit que le temps des souhaits. Non, ce n'est pas un souhait. Non, le souhait d'un gouvernement d'union nationale, c'est ça. Ça a souhaité que nous vivions en train de nous souligner. Mais fondamentalement, il a tenu, et il a raison de le faire. Il a raison, c'est pas ça ma critique du tout. Il a raison. Non, mais de quand vous dites qu'il n'avait rien annoncé de nouveau, donc c'est à part le dialogue. C'est trop fort. C'était le dialogue. Bon, dialogue, en fait, aujourd'hui, je pense que ça qui est plus fondamental aujourd'hui, faut nous parler. Et moi-même, moi, je voulais insister à chaque fois. Parce que l'âge que j'ai 40 ans depuis que je suis politique activement en Haïti. Okay? Donc, moi, j'ai un pile de l'eau qui coulait sous pont. Et aujourd'hui, nous pas fait progrès de 86 à aujourd'hui. Ça fait 33 l'année, nous pas fait progrès. Chaque fois que nous tentative pour que nous soyons dans le secteur et fontiger fort, et puis nous retournons plus bas. Que côté nous payer en vent. C'est ça que fait Jodia. Nous besoin font effort de dépassement et un effort de dépassement pour que nous capables river accorder les violons pour que nous capables river d'autres pays à finalement de la stabilité et stabilité à ces moyens essentiel qui pour permettre que nous sortions côté nier ou néodia, c'est pas ça. Blanc, contrairement à moi, tout le monde sont question blanc jodia, c'est pas blanc qui a sorti une côté nier là, c'est conscience nationale pour nous prendre, faut nous sortir dans la logique crasée brisée, et faut que nous d'accord, mais même si nous pas d'accord sur toute bagaille, mais ça qui est fondamental pour peuple haïtien, faut nous d'accord, parce que l'objectif final, faut que nous améliorer les conditions peuple là, c'est pas pour nous craser ça le gagner dans la difficulté que nous connaissons le gagner lieu, c'est pour nous arriver, porter des solutions durables pour que le peuple travaille, pour que le peuple mieux logé et pour que le peuple vive dans un environnement qui permette de vivre tant que monde. On est tout à fait d'accord, M. Faustin. Mais faut que nous fassions ci, faut que nous fassions ça, Annick fait ci, Annick fait ça. La réalité pas suivre vous. Bien sûr, tout le monde souhaite la paix. Bien sûr, tout le monde souhaite que les gens souhaitent manger. Bien sûr, tout le monde souhaite que les gens aillent à l'école. Mais vous êtes face à une situation aujourd'hui où vous avez une opposition musclée qui dit qu'on ne peut pas discuter avec eux. Alors, où est-ce qu'on va? Bon,
attendez, fon fon tourner on a dal gade même pour et côté de commencer on a fait commission ça. Oui. Si on a regardé sept noms, bon c'est dommage, ça fait un an quand même que a dit que faut président Jovenel aller et puis nous ouais que semaine ça yo pon en commission qui pas même qu'à compléter. OK, donc c'est un. Deuxièmement, on commence ouais en pile critique au niveau des réseaux sociaux sous cette affaire de commission parce que mon yo ouais que gain de nèg commission formée de monde de 60 à 80 l'année. Ça veut dire c'est de monde qui m'taka dit qui vivent toute époque, c'est vrai comme expérience, mais qui pas jamais porter solution par rapport à ensemble de problématiques que n'a vive journée aujourd'hui et qui participer presque dans l'ensemble des initiatives qui ont été déjà prises bien avant. Donc et puis de plus n'a vive dans société aujourd'hui gagné plus de 60% jeunes dans pays a ou pas cap font commission comme ça, gagné autant de pourcentage de femmes dans pays hein, ou pas cap font commission qui aucune pas femme. Hein, aucune femme. Donc ça veut dire que et si Jean Bouba y opposer à monsieur Clan, faut que nous poser à tête reposée, faut que nous chercher solution yo mais radicaliser nos positions d'accord et non, pas mener nous aucun monsieur Faustin, mais ou même avec tout nous gain droit dit nous pas capable encore. Mais nous pas capable encore vraiment. Voilà. Ou toi comme moi, oui, nous n'avons pas capable encore vraiment. Ok, nous ouais. pas capable encore. Ouais. Maintenant, on est dans une situation de blocage. On est dans une situation de blocage. Ok, le président est constitutionnellement élu, les Kimbeling constitution. L'opposition lui-même a tiré pied à gauche à droite. On est dans un blocage, dans un blocus. Et qui est-ce qui paye le plus? Le peuple. C'est pas ou même avec, c'est pitié. C'est les plus affamés. Mais bien sûr. Okay? Parce que, écoutez, on vit dans le pays, côté Mounio, vit au jour le jour. Mais bien sûr. 80% de la population vit absolument. Au jour le jour. Absolument. Donc maintenant, 15 jours, ouais, d'ailleurs, féliciter Tétio parce qu'il n'y a aucun peuple à la caille pendant 15 jours. Mais qui côté humain qui gagne dans ça? Que nous avons peuple pendant 15 jours à la caille. Dernière question. Qui est-ce qui va céder le premier? Parce que sous bras de fer, qu'a fait là. Président, li gon mandat que peuple a bali pour diriger le pays pendant 5 ans. Ce n'est pas 50 ans. Et ce n'est pas 14 ans non plus. Tant que deux duvaliers, chaque te fait 14 ans, ça te fait 28 ans. Ce n'est pas ça. C'est pendant 5 ans. Absolument. Maintenant, trois cas leaders que moi là, yo te compétiteur. 53 ans, yo te en face Jovenel Moïse. Et à un certain moment, ils ont dit que l'élection, la première fois que Jovenel a gagné, ils ont dit le pas bon, ils ont reconquéri. Et ils ont eu 8 ans, ils ont fait un regroupement. Le président Jovenel arrivait, il acceptait de diriger avec Yon, et ben, elle a fini, moi-même avec Okonen, j'en ai fini. Donc, c'est quand même une expérience, M'taka dit, regrettable. Okay? Maintenant, le président, il fait dépassement encore, il dit qu'il ne peut pas réinventer la roue, il pourrait refaire ça encore. Donc, il est d'accord pour qu'il soit capable de discuter, partager, M'taka dit, espace de pouvoir, parce que le vrai problème, c'est ça, c'est l'espace de pouvoir. Donc, le président d'accord pour le partager, et donc, mes messieurs, eux, même, yo, à bataille, non bagaille, c'est comme si Jodia, yo senti, yo gain suffisamment de légitimité pour que eux-mêmes, yo gain tout pouvoir pour eux-mêmes seulement. Et c'est beaucoup trop facile. Voilà. Jodia, donc, pas gain l'armée. Si t'es gain l'armée, longtemps, y'a dit à chercher président. Si t'es gain l'armée, yo t'as pas le chercher le côté, yo connaît l'hier. Mais parce que pas gain l'armée, Jodia, yo dit à chercher, donc, yo pas capable forcer de force pour le signer un papier ou le démissionner. Donc, yo non dilemme. Et face à ça, donc, Jodia, faut que aucun monde pas gagné, faut que aucun monde pas perdu, faut tout le monde chita ensemble pour que nous capables de joindre un accord politique et définitivement donc, le dialogue. Pour nous chita sous grand problème yo en attendant chercher et sortir pays à définitivement dans cette crise. En attendant monsieur Faustin, pays lock à bâbord, dialogue lock à tribord et tout le monde a souffert. Tout le monde a mouru dans bon. Et de toute façon, ça m'a dit un dépassement beaucoup de temps, l'opposition, parce que craser brisé n'a pas qu'à continuer. Le peuple n'a pas gagné encore pour craser. Le peuple n'a pas qu'à supporter encore. Donc, il faut que monsieur soit capable de descendre de stal que vous avez, de orgueil, pour que vous soyez capable de chita discuter avec le président de la République, là, pour vous joindre au modus vivendi, au modus operandi, qui pour faire que le pays a débloqué. Monsieur Jude Charles Faustin, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous plaisir, ce soir à Metro News, nous faire part de la position de la présidence de la République en un premier temps face à la
création, pardon, de cette commission de facilitation. Et bon, malheureusement, nous pas débouché sous solution. Mais d'ailleurs, personne ne s'y attendait. Mais nous baillons des pistes. C'est ça. Voilà. C'était M. Jules-Charles Célestin, l'un des conseillers. Faustin. Pardon. C'est terrible. Jules-Charles Faustin, l'un des conseillers politiques du président Jovenel Moïse.